l'organisation SOS l'a lancé là par rapport avec un incident qui a passé Kounye là, c'est du feu et des monde qui attaqué Karim et André Michel dans Thomasin 37. Donc actuellement là, il y a du feu qui déjà metté dans une machine qui est dans la voie. Donc les monde qui habitent dans la zone de voisinage a lancé appel by la police et service pompiers pour t'arriver dans le moment où on a parlé là. Il y a plusieurs journalistes qui ont déjà lancé alerte là, parmi eux Denel Saint-Ton dans Caraïbes FM, il y a un reporter Rigard qui est sur place qui a déjà lancé SOS là pour la police et les pompiers. T'arrivé quand ils mettent la Kounya là dans Thomas 37 côté gain et du feu gain des monde selon confrère yo qui t'a attaqué caille et porte-parole secteur démocratique là maître André Michel et SOS ça nous t'a hein qui déjà on se bat au poste la croix qui déjà prend pile du feu là et caille là qui saboter en pile avec poudroche là qui arrivé de barrière très bien pour y la machine qui a pris un pile en pile de feu là et dans le moment qu'il a parlé là dans Thomas Fetten. Mais il y a pas pillé là non? Non, il y a pas pillé et tout ça qui y a joué, il y a crasé devant Kaila là même, pas de monde qui allait avec un rien, tout ça y a joué, il y a tout crasé là qui devant le feu qui vient dans la cour pour des machines là qui a pris un feu. Ça veut dire que moment si on y a dans la caille André Michel, il y a joué une télévision crasé devant. Avec service pompier d'arrivée. Radio Mika. Thomas 37 côté où t'as attaqué Kai, maître André Michel, il y a une machine qui déjà apprentifié d'après voisin à Yoto qui lance SOS Sato sur les réseaux sociaux avec à travers les journalistes qui reconnaissent. C'est ça, nous t'a fait passer Kounia là pour viser Léonidas. Merci, merci Macéan. C'est toujours bon pour informer, pour peuple informé de situation qui a évolué de tous côtés. Dominique Saint-Éloi, où l'a toujours? Oui, moi là et. Moi, je pose une question, M. Dédouke. Ouvrier, au gros paquet de difficultés dans tout secteur. Ça veut dire que, quel que soit, qu'on le Port-au-Prince, qu'on prenne le Cap-Haïtien, Caracol ou autre, etc., ouvrier haïtien a fait face à une situation exceptionnelle. Côté que ces trois adoquins, la Guinantique-Will, l'élément d'augmentation, qui gens ou pensez que le mouvement ouvrier haïtien a organisé pour le sortir le mieux-être pour le capable de changer les conditions de la ville? Même à travers syndicats ouvriers, et tout central syndical est organisé des organisations syndicales ouvriers qui c'est TNOA, TTH, Bataille ouvrière avec TTSP. Et nous toujours, c'est nous-mêmes qui, quatre centrales syndicales, qui toujours portent lutte ouvrière et fait des mouvements dans Caracol, fait mouvement dans Wanamet, fait mouvement au niveau du Port-au-Prince pour mobiliser ouvriers, demander augmentation salaire minimum. Mais, pas oublier, nous toujours gagnons ça. Yon pouvoir reste avec. Alors, yon moun ki di m'blanchi langay la. An m'bran di yon pouvoir reste avec. Ki genyen Mate li nan tèt li. Ki genyen de skil pe kompi Jovenel Moïse nan tèt li. Ki bafou reste avec sa ki rele Anria. Ki toujou nan tèt li. Et pou m'douke nan mouvement te fèt yo nan mwa février, mwa de mars la. Anria. Lè nou te di l'konsake nou ka rete nan 1000 goud par jour. L'ouvrier touché, mais il faut un accompagnement social. C'est dit qu'on sait qu'est-ce que nous besoin à peine manger. Alors, mes comportements, il y a un monde qui dit que c'est le chef de l'État qui a décidé dans nos ouvriers, qui a décidé dans nos paysans, qui a décidé dans nos matriots,
Ça veut dire que nous avons un gouvernement qui n'a pas de caractère. Un gouvernement qui n'a pas respecté même normes. Comme si pour quitter avec des techniciens comme économistes, pour balancer trop d'inflation, pour balancer les indices macroéconomiques, pour comme si pour balancer un salaire qui est raisonnable avec accompagnement social. Là, en la région Caraïbe, là, nous sommes le seul pays qui n'a pas bénéficié d'accompagnement social. Tant pour transport, subvention manger, subvention classe, subvention l'école pour petits ouvriers. C'est ça que nous-mêmes, là, dans la Caraïbe, là, pas bénéficié. Mais tout dans la Caraïbe, là, c'est nous-mêmes tout touché, qui touchons plus bas salaire. République Dominicaine, qui est à $342 américains le mois pour un ouvrier qui travaille dans le secteur sous-traitance textile. Et on compte une factory. On dit là, touché $372 américains le mois. Nous gagnons Costa Rica, l'été à 305 €. Je ne dis pas, touché 403 €. Donc ça veut dire, ouvriers là dans la région Caraïbe, là, c'est nous-mêmes qui avons main d'œuvre à bon marché qui sont sur l'exploitation. Qui ça pour ouvriers fait? C'est toujours organisé. Pas prendre aucun manipulation dans le monde qui a manipulé, pas prendre aucun monde qui a vu rouler dans la farine pour continuer à amplifier, faire mouvement. Et c'est pour être ça, dans le mois d'octobre, je m'en vais dire avec ouvriers, avec syndicats, pour organiser légalement, selon la constitution pays, selon la convention 87 et la convention 98, qui ont nous droit pour nous capables de faire syndicat, qui ont nous droit pour nous négocier. Bon conditions de travail qui est bon pour nous faire mouvement tout, pour nous faire mouvement, pour prendre des orientations contre l'État, contre le patron qui a exploité nous avec une main d'œuvre à bon marché qui chita sur l'esclavage. Donc, nous sommes organisés d'abord pour travailler au gars. Parce que ouvrier, c'est ouvrier qui toujours les campé, qui fait ça, qui est capable de monter. Et dans le monde là, ouvrier est toujours connecté avec étudiants à travers l'université. Ils sont toujours connectés avec des organisations progressistes pour venir protéger dans la bataille pour changer les conditions. Tout le monde ouais, si c'est pas un ouvrier à travers le monde là, pas de chambre d'accompagnement social qui existe. Pas de chambre de salaire adéquat, salaire décent, salaire vert qui existe dans le monde là. Mais c'est parce que ouvrier ça eux, ils ont une conviction, ils ont un rêve. Yo kon vision, yo kon côté à privé. Yo connais qu'il y a des antennes indicatives pour yo bouler, pour yo arriver dans la perte. Si c'est une liberté, yo, en bas, mais au gars inconscient, yo, qui exploite, yo, avec une main d'œuvre à bon marché. Nous-mêmes, à travers CNOA, sont là comme ça, nous gagnons. Nous gagnons là, c'est pas un rêve comme si pour bien nous, pour nous, pas négocier, bon condition de travail, bon pour nous. Nous gagnons là pour nous faire ces ouvriers, yo, pour nous arriver à une libération, yo, en bas, l'État reste avec. En bas patron avec quoi yo, en bas patron des trois machins qui ont dépôt rad faire mal négocier rad aux États-Unis en amène des bailleurs comme Walmart, comme Fishman & Tobin, comme Under Armour, comme Odnevi, comme Gap et etc. Et pour yo capable de négocier contrat yo sont bon petit contractant criminel qui est tellement négocié comme eux, en dollars américains, ils ont fait plus de profit tout au dollar que l'aéroporté by one map. Ils ont fait plus de profit tout au dollar que même franchise que ont joué dans l'État. Ça veut dire que nous avons changé de droit combien de milliers de dollars. Ils ont exécuté un paiement qui gagne 40 millions de gouttes. Ils ont exécuté un paiement qui gagne 20 millions de gouttes là-dedans. Donc ça veut dire, patron, avec complicité l'État, c'est violer droit ouvrier, empêcher de un syndicat, empêcher un mouvement ou un mois de massa, ou façon, le gouvernement criminel, il a utilisé force d'armes avec des policiers pour venir tirer sur ouvrier. Nous avons ouvriers qui comportent, nous avons commencé à prendre un gaz qui tombait, qui. Et disposé, nous gagnons moun qui mourit, nous gagnons journalistes qui perdent la vie, nous gagnons journalistes qui prennent balle, nous toujours voir qu'on a fait nous toujours voir qu'on a fait nous, parce que tout journaliste qui te vient aider, fait pas faire la participation ouvrière au plus loin, c'est grâce à des journalistes, c'est grâce à la radio,
qui fait et peuple monde là ouais misère ouvrier haïtien à part en bas les tibet qui l'ose et c'est grâce avec journalistes